Ahmed, c'est une nouvelle page blanche qui s'ouvre, deuxième partie de saison face à Amiens. C'est quoi un peu Ouais, tu vois ça comme ça, une nouvelle page qui s'ouvre? Ouais, le mot d'ordre, voilà, c'est on repart sur une nouvelle saison. Il faut que on débute bien par ce match contre Amiens. On sait qu'on va avoir le soutien de nos supporters et ils vont être une part importante dans ce premier match. Et voilà, qu'il y ait une bonne atmosphère et que tout le monde soit content à la fin du match. Ouais, tu dis les supporters vont vous faire un accueil particulier. C'est important pour vous, ça, de sentir le Ah, c'est soutien? très important parce que voilà, un joueur de foot, il a besoin de se sentir accompagné, il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de se sentir soutenu. Et après, ce sera à lui de le rendre aux supporters sur le terrain. Mais aujourd'hui, nous, à Valenciennes, on a des supporters qui sont derrière nous, qui vont encourager l'équipe. Donc, c'est capitaliser sur cette force qu'ils vont nous envoyer pour pouvoir, sur le terrain, prendre les points. Comment s'est passée la semaine? Il y a eu un stage au début de semaine. Comment t'as senti le groupe? Comment ça s'est passé? Ouais, on a eu des bonnes conditions de travail, ça c'était important parce qu'avec le climat actuellement c'était plus compliqué avec le gel qu'il y a eu en début de semaine. Donc on était dans vraiment des bonnes conditions, on a bien travaillé, on a fait des bonnes séances de travail. Ça nous a permis aussi d'avoir un moment de partage entre nous, passer du temps entre nous, que les joueurs aussi ben voilà, créent des liens avec les nouveaux et pour pouvoir échanger, pour pouvoir aussi décompresser ensemble. Ça va être quoi la clé de cette deuxième partie de saison? On a l'impression que chaque match, il faudra pas le gagner, mais pas loin, à chaque fois. Ouais, moi je pense que la clé sur cette deuxième partie de saison, ça va être l'état d'esprit, l'esprit d'équipe. Voilà, c'est cette aventure humaine qu'on va mettre en place. Parce qu'il y aura bien sûr des moments difficiles. Il va falloir que dans ces moments-là, on se serre les coudes, mais il y aura aussi des moments faciles. Il y aura aussi des moments où ça va bien se passer. Et là, ce sera des moments où il faudra appuyer, et il faudra prendre les points, marquer les buts et augmenter notre capital confiance. Comment y croire ou faire croire que c'est possible? Bon, en fait, déjà y croire, moi j'y crois. Donc déjà, moi-même, je suis intimement convaincu qu'il y a la place de faire une belle deuxième partie de saison. Et puis voilà, c'est transmettre cette énergie, transmettre cette passion aux joueurs et puis aux personnes qui entourent le club pour qu'on soit tous ensemble et qu'on tire tous ensemble dans le même sens. Petit mot sur Amiens, l'adversaire de demain. Très bon adversaire. Comme je l'ai dit, voilà, c'est une équipe qui a fait un très bon début de championnat, qui a pris des points, donc qui a pris un matelas. Ils ont des joueurs expérimentés, ils ont différents profils aussi, notamment sur la partie offensive. C'est vraiment, voilà, on va rencontrer demain une très bonne équipe de Ligue 2. Un point sur l'infirmerie pour conclure. On n'a pas trop de bobos, on a juste le jeune Yacine Aouari qui a un petit souci à la cuisse, mais rien de bien méchant. Donc on aura tout le monde à disposition demain pour le match.